Ouais, c'est parti les amis, on se retrouve pour l'épisode 2. Ça y est, où je déverrouille le chasseur de monstres avec ce squelette qui m'a fait stresser, ce salopio là. Oh là là, il m'a grave fait stresser. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en somme. On va pouvoir la récupérer avec tout l'or qu'il y a ici. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je regarde quand même au cas où, hein, j'ai pas confiance tout autour. Il y a quand même relativement de la chance qu'il y ait pas mal de. Ah, on a un mort ou quoi? J'ai pas fait gaffe. Ah non, bon, c'est pour le GG. Cacao le survivant, d'accord, parce que Cacao Rome m'a en fait survécu à l'épisode 1. Big GG. Voilà, ça y est, Cacao a passé l'épisode 1, trop fort. Bon, c'est cool, et là je suis bien tombé, les amis. Je suis content parce que on va pouvoir mettre tout ça à cuire. On va s'établir une petite base sécu par ici. On va prendre de la cobble. Hop, voilà. On va se fermer les zones en fait au cas où ça débarque. Tout simplement. Hop, ici on va fermer. Ici on va fermer. Voilà, comme ça j'ouvrirai les zones uniquement quand moi je vais aller me promener. Hop, quand je vais aller miner. Et puis nous on va pouvoir s'installer ici. Donc là, pareil, on va fermer. Au cas où il y a des squelettes. J'ai pas trop confiance à ces bestioles. Là-haut, il n'y a pas d'entrée, c'est parfait. On va bien éclairer au cas où. On va se mettre les fours. Et on va mettre tout ça à fondre. Donc d'un côté, l'or. Clac. Et de l'autre côté, le fer. Voilà. Donc, le temps que tout ça, ça cuise. Que je puisse enfin terminer mon armure. Hop là, non, 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 là, il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Il faudrait que je garde des blocs à portée de main, ce serait pas bête. Par exemple. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, c'est essayer de les attirer vers ici. Je suis à quelle couche là? On est à la couche 23, donc on peut bientôt trouver du diams aussi. On va aller par là, comme ça descend. J'entends un squelette. J'entends un fichu squelette. Peut-être celui qui était là-bas justement que j'ai vu. Hop là, il y a un creeper. Il y a du lapis-lazuli, ça il va y en avoir besoin pour enchanter, donc c'est parfait. Même si j'ai toujours pas trouvé la vache. Voilà, le creeper c'est fait. Oh là, je sens qu'il y a des choses à trouver ici. Je vérifie au cas où, hein, on sait jamais. Voilà, il y a du mob quand même. Donc on y va calme. Pas besoin de speeder. De toute façon, je pense que j'ai quand même de l'avance sur les autres au niveau des minerais que j'ai trouvé. Donc on va se le faire tranquille. Pas besoin de foncer dans le tas. J'ai déjà de l'or, j'ai déjà une armure en fer qui va être complète bientôt. On va prendre l'établi qu'on va poser. Je vais me refaire aussi quelques torches pour aller visiter. Donc là, on va ben, refaire les 4. Voilà. Comme ça, j'aurai quelques torches d'avance. On va prendre le fer. Hop là. Je t'ai entendu toi. Allez, file. Ah, il m'a looté une patate, c'est mignon. J'ai vu un squelette. J'ai pas rêvé, j'ai vu un squelette. Bon, alors, en attendant, on n'était pas là, on était à je veux des bottes. Et je veux un casque. Là. Il est là, lui? Oui, il est où? Allez, on va se le faire. Je crois. Non, j'ai rêvé? J'étais sûr d'avoir vu un squelette. Bon, c'est pas grave. En somme, l'or. On va se faire déjà une pomme dorée d'avance. Ça peut me sauver la vie. Hop. C'est cool d'avoir ça. Bon, et maintenant, on va faire gaffe aussi parce qu'à partir de cet épisode, je vous rappelle que le PVP est activé. Donc, ce serait dommage. J'ai dit que j'allais me garder des blocs aussi. Ce serait pas mal. Voilà, notamment. S'il y a des trucs comme ça qui arrivent, voilà, il suffit de quelques secondes d'inattention. Donc, on va manger la pomme, tant pis. Ça me remettra un petit peu de vie. Voilà, ça m'a pas remis beaucoup, mais on va faire avec ça. Ah, il y a de l'or là-bas. Il y a de l'or, mais il y a un squelette là-bas. Hop, hop, hop. On vous entend là.
Allez, le squelette. Ah, il y en a vraiment quelques-uns qui ont des gros bugs mumble quand même. Hop, voilà, donc je vais essayer de récupérer de l'or assez vite. Il y a une araignée aussi, je vois. Ouh, il n'y a pas qu'une araignée d'ailleurs. Il y a quand même du petit monde, faut le mériter l'or. Allez, creeper, crève, voilà. Bon, le fil, ça peut être pas mal. Toi, viens là, parce que je sais que tu vas débarquer de toute manière. Ramène-toi. Viens me voir, copain. Serait cool si j'arrive à choper assez d'araignées pour me faire un arc aussi, parce que un arc, ça peut être un sacré avantage dans ce jeu. Les flèches, là, je veux pas les laisser, moi, les flèches. Oh! GG. Ben voilà, le premier mort, ce sera Pixel, donc à l'épisode 2. En plus, il filmait pas, c'est dommage, on verra pas sa mort. Vu qu'apparemment, il avait un souci de matos. Enfin, de logiciel. Mais bon, voilà, donc il aura duré jusqu'à l'épisode 2. Oh, squelette. Hey, oh. Il me voit pas? Viens là. Viens là, petit. Viens. Ramène-toi. Non, ça j'aime pas. Reste là, voilà. Ouh, j'entends des creepers péter pas loin. Ouh, il y a du monde peut-être. Donc on va faire attention, je vais parler doucement. Pixel 6444 s'est déplacé dans le salon, ne pas déranger. Pixel 6444 est entré dans le salon. Il est pas loin. Mardi 19 s'est déplacé dans le salon Mimblitz Fight. Il est pas loin, il est pas loin, les amis. C'est pour ça que je parle pas trop. Si vous m'entendez, il est vraiment pas loin. Pixel 6444 s'est déplacé dans le salon, ne pas déranger.
qu'est-ce que l'on va chercher? On va déjà rejoindre la couche 13, la couche des diamants. Oh, attendez ce que j'entends. Est-ce que vous avez entendu l'or, vous aussi? Est-ce que vous avez entendu l'or, sérieusement? Parce que je voulais faire, on va prendre... L'or... On va aller récupérer ce qui a cuit là-haut. Et du coup, oui, je suis l'homme qui a murmuré à l'oreille des chevaux, c'est moi. L'homme qui entendait les minerais, c'est moi. Non, mais sérieusement, j'ai eu de la chance. J'ai entendu en fait une source d'eau et je me suis dit, il y a une grotte pas loin. Et il y avait de l'or à côté. J'ai failli passer à côté, franchement. Yes! Ah, je te suivais depuis trois quarts d'heure. Je t'écoutais à la voix depuis trois quarts d'heure, c'était chaud. Ah, il était foutuf. Ah, putain. Po, po, po. Ah, fou. Ah, j'ai le cœur qui bosse à l'heure, les amis. Ah, putain. Ah, depuis tout à l'heure, je t'écoute à la voix. Depuis tout à l'heure, mes abonnés ils doivent pas comprendre parce que je parle pas. Je t'écoute à la voix et j'essaie de me rapprocher. Là, j'ai vu ton pseudo, j'ai foncé dessus, je dis miracle. Ah, j'ai le cœur qui bat, si tu savais. Bon, allez, bonne chance à tous. Bon, ben voilà, c'est cool, les amis. Tenez, on a le trophée, on a la tête, voilà, de Mister Pixel. Comme trophée, je suis content. S'est déplacé dans le salon. Bon, le truc, c'est que j'ai perdu pas mal de vie. Donc là, par contre, il va falloir que je me la joue petit, quand même. On va pas jouer le gros dur. Là, d'ailleurs, je passais juste à côté de son poulet et tout. J'ai même pas vu. Ah, mais non, c'est parce que je suis dans sa truc, là. Donc, on va... ben, on va voir ce qu'il y a de beau par là. Donc, il est à quelle couche, là? Ah, il est à la couche 43. Ouais, c'est assez haut, quand même. C'est quand même assez haut. Donc on va descendre ben là où il était, je pense qu'il était parti pour aller trouver du diamant. Ah oh, ben ouais, ben, ça m'étonne même pas que ce soit Patisman le premier à trouver du diamant. C'est même pas étonnant, c'est ça le pire. Alors, on est à quelle couche là? 24, on est encore haut quand même. Donc on va rester là, hein, on va squatter chez lui. Comme j'ai récupéré mon or et tout ça. C'est dommage, il avait pas d'or sur lui. Ah par contre il avait un livre, ça m'intéresse. Hop, vire-moi ça, des livres, ça c'est parfait. C'est vrai que dans la maison, tout à l'heure je suis passé au village PNJ, j'ai complètement zappé le coup des bibliothèques. Allez, vire, voilà le charbon que je prends. Donc on va descendre à la couche diamant.
Je suis content de moi quand même. Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il parlait plus, qu'il commençait à arriver, je dis c'est bon, il m'a entendu, mais ça va, c'est passé. C'est cool. Là, il y a du fer, on va récupérer sa pioche. Bon, vire-moi tout ça. Il y avait du fil aussi, j'ai vu. Non, ben non, sinon le fil ça l'aurait récupéré. Donc voilà, il y a du fer, ça c'est cool. On va faire juste pour le fun. Parce que j'ai trop de trucs sur moi. Hop, ça tu dégages. On va faire un petit double coffre. Là, on va dégager le poulet pour l'instant. Non, pas les coffres. Pfff. Ah, j'ai encore le cœur qui bat à fond, je vous jure. Là, c'est pour ça que je parlais pas vraiment parce que ben voilà, je voulais garder mon effet de surprise en fait. Mais c'était intensif, je vous jure que j'entendais mon cœur battre plus fort que ben, que le son du jeu. C'est impressionnant. Ah, mais je suis content, ça va. Là, j'ai la pression qui redescend. C'est cool. J'ai réussi à l'avoir. Il y a des pommes, il a des pommes, c'est parfait. Il avait pas eu le temps de faire des pommes dorées, ce qui fait que j'ai 3 pommes. Ça, c'est merveilleux. Ça commence bien. On va récupérer un petit peu tout. Ok. Le four, on va le garder. Autant en avoir deux. Il avait mis quoi à cuire? Rien du tout. Dommage. Dommage, il avait pas d'or en plus. Ça aurait pu le faire. Fin de l'épisode 2. À toutes les amis.